Alors, comment expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous amène au golf? Est-ce que c'est vous-même qui vous rendez là? Est-ce que vous avez été convoqué? Expliquez-nous les circonstances, s'il vous plaît. Donc, suite à l'arrestation de Monsieur Gbagbo, très choqué par cette arrestation, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler le Premier ministre Soro pour lui demander de faire en sorte que le président ne soit pas tué. Et le Premier ministre m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que ce sont les instructions du président de la République. Le président Alassane a décidé qu'on ne touche pas au président Gbagbo. Je l'ai donc remercié et je me suis dit qu'il faut que j'aille au golf pour faire allégeance. Donc, j'ai pris contact avec le général Béréna pour dire que je souhaitais me rendre au golf. Mais avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre à Fingessan pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, je vous rends compte que je vais au golf pour faire allégeance. Il m'a dit, non, 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 ne partez pas, ne partez pas, il faut qu'on se serve de l'armée pour négocier. J'ai dit, non, je vais faire allégeance. Et c'est comme ça que je me suis rendu au golf. Là également, dans les transcrits que j'ai lus avant de venir, c'était marqué la date du 13, mais ce n'était pas le 13, c'est le 12 avril, le lendemain, que je suis allé faire allégeance au golf. Donc, toujours les transcrits de votre déclaration. De ma déclaration. Et étiez-vous seul? Est-ce qu'il y avait d'autres généraux qui vous ont accompagné, qui se trouvent sur place? Alors, ici, le général Diéby, dans son témoignage, a dit que c'était le général Mangou qui a convoqué les officiers à sa résidence à Abobo. Ce qui est faux. Je ne suis jamais à Abobo. Ma résidence n'est pas à Abobo, c'est faux. Moi, je sais que le général Béréna m'a donné rendez-vous à ma résidence officielle, à Cocody, et c'est de là qu'un véhicule blindé de l'ONUCI est venu me chercher. Chaque officier est parti par ses propres moyens. On n'est pas parti regroupé. Chaque officier est parti par ses propres moyens. Donc, on a dû attendre. Moi, je suis arrivé aux environs de 9h, 9h30. On a dû attendre que tout le monde soit là pour commencer la cérémonie. Mais j'ai quand même informé le ministre Ahmed Bakayoko de mon intention de venir faire allégeance. Est-ce qu'il y a eu retransmission de Oui. cette allégeance, Oui, cette de cérémonie a cérémonie été. de prêter allégeance? Oui, elle a été retransmise. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur les moyens organiques du SECOS. Non, écoutez, avant de ce faire, on va poursuivre avec le mois d'avril. On reviendra. Avez-vous participé? Quels sont vos... Lorsque vous prêtez allégeance, donc vous êtes le chef d'état-major des FRCI. C'est bien cela? J'étais toujours chef, pas chef d'état-major, mais je suis allé en tant que membre des forces de défense et de sécurité. Les FSCI, il y avait Bakayoko qui était encore là. Donc, quelle est votre fonction suite à cette cérémonie du 12? Alors, je me suis aperçu que beaucoup de militaires n'avaient pas combattu. Beaucoup n'avaient pas combattu et ils étaient souvent pris à partie par leurs frères d'armes. Il y en avait qu'on poursuivait même dans les quartiers. Donc j'ai décidé d'aller faire allégeance au nom de toutes les forces. Mais quand nous sommes arrivés, et là c'était bien fait, quand nous sommes arrivés,
on a permis à chaque commandant de force de prendre la parole et de parler au nom des entités qu'il commandait. Donc, le premier à prendre la parole, ça a été le directeur général de la police nationale, le général Brindeau, qui a parlé au nom de la police nationale. Ensuite, le général Kassaraté, au nom de la gendarmerie nationale. Et moi, j'ai pris en fin de compte la parole pour parler au nom de tous les militaires. Par la suite, comment étiez-vous impliqué dans les jours, semaines qui suivent? Que faites-vous? À l'issue donc de la cérémonie d'allégeance, le président Alassane Ouattara m'a reçu dans une chambre faisant office de bureau, puisqu'il était au GOF, en compagnie du ministre Amontano. Et le président m'a dit ceci: « Bon, mon général, je vais vous reconduire dans vos fonctions de chef d'état-major. » Donc, je lui ai dit: « Ah, monsieur le président, vraiment, je suis un peu fatigué. Vous savez que pendant près de 10 ans, je suis sur le terrain. Je suis un peu fatigué. Et puis, j'ai été chef d'état-major du président Laurent Gbagbo. Les gens ne comprendraient pas que je sois encore votre chef d'état-major. Ils auront à redire. » Donc le président Alassane m'a dit: non, c'est pas ça, parce que moi j'entends travailler dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou pour réunir les deux armées. Donc vous allez assumer le commandement pendant un temps, et le moment venu, nous allons vous remplacer. Donc j'ai accepté ce que m'a dit le président. Je me suis mis au garde-à-vous, je l'ai salué et je suis ressorti. Juste une petite question pour tenter de régler cette création des FRCI. Alors, je comprends que tout à l'heure, dans votre témoignage précédemment, vous faites référence au FAFN. Quand est-ce qu'il y a eu mutation à votre connaissance des FAFN et qui a l'acronyme donc FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous rappelez de la date qu'il y a création donc des FRCI? Alors, au départ, nos frères qui étaient venus nous attaquer, quand on les désignait, c'était sous le vocable de forces rebelles. Eux-mêmes, c'était les forces armées des forces nouvelles, FAFEN. Dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, qui a été signé le 4 mars 2007, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FAFEN, ont fait leur mutation. Il est bien de préciser que toutes les discussions qui ont eu lieu à Ouagadougou concernant les questions militaires, aucun militaire ivoirien n'a assisté au débat sur les questions militaires. Ceux qui s'y sont rendus, c'était le ministre Tagro et Kone Navigué qui ont discuté de ces questions et qui font qu'on a accepté des choses extrêmement dures pour les FDCI. J'ai dû, à mon corps défendant, faire des tournées pour apaiser nos hommes, pour leur dire que l'intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire et qu'il fallait qu'ils
fassent violence sur eux-mêmes pour que nous allions à la paix. Alors que les Fafen partaient avec leurs militaires pour discuter des affaires militaires, nous, c'était Tagro et Navigué qui sont partis. Donc, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, l'accord même a défini deux armées pour la Côte d'Ivoire. Deux armées. Une armée au nord, une armée au sud. Donc, à partir de l'accord, ils ont fait leur mutation et ils sont devenus force républicaine de Côte d'Ivoire. Parce que ici... Oui, alors si on pouvait peut-être aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est pour dire que ces forces ne sont plus forces rebelles. Parce que pour le procès, ça compte. Hein. Elles sont devenues une force républicaine de Côte d'Ivoire. Elles ne sont plus forces rebelles. Parce que quelle est cette armée rebelle dans le monde qui, un, émarge au budget de l'État. Deux, lors des tournées du président de la République, présente une troupe en présence du drapeau de l'État. Après le passage en revue, fait demi-tour, salue le président et se met sous ses ordres. Quelle est cette armée rebelle où le président de la République prend un décret, le président Laurent Gbagbo prend un décret, nomme des officiers au grade de généraux, nous fait faire un travail d'harmonisation pour les grades antérieurs. Quelle est cette armée où nous-mêmes, nous avons envoyé des gens pour faire des visites médicales, le recrutement? Donc ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Et ça, il faut bien le comprendre pour la suite du débat, parce que quand on va parler de « non mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo », ce n'est pas vrai. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui l'a chassé, qui n'est pas contente et qui l'a chassé. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. De même, quand on dira, mais ceux qui sont au Golfe, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Mais c'est l'armée, on a reçu des missions de sécurisation sur toute l'étendue du territoire. Donc, ceux qui sont au Golfe, c'est des Ivoiriens, des personnalités ivoiriennes, et ces gens sont allés les sécuriser. Donc, il faut bien qu'on comprenne. Il faut bien qu'on comprenne. C'est eux qui sont allés discuter à Ouaga et qui nous ont ramené ça. Des décisions difficiles d'application pour nos hommes, mais Dieu merci. Je voudrais féliciter nos hommes ici. Eux, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Parce que quand j'ai fait mes tournées, mes hommes me disent, mais donc mon général, il vaut mieux d'être rebelle, d'aller contre son pays, que d'être loyal. Ça, ils me posaient la question. Je leur ai dit, non, ne voyez pas les choses comme ça. Ce que nous voulons, c'est la paix pour notre pays. C'est la paix pour notre pays. Nous vous demandons d'œuvrer et d'avoir à l'esprit l'intérieur, avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Donc tout ce qui est dans l'accord, ça c'est pas nous les militaires, hein, parce qu'aucun militaire ivoirien n'est parti discuter des questions militaires à Ouagadougou. Il y avait Tagro, il y avait Konaté Navigué. Mais Monsieur le Président, rassurez-vous, les erreurs de ces gens, il y en a plein. Et je suis prêt à parler de tout cela. Donc, c'est ce que j'allais vous demander de clarifier. Lorsque vous faites référence à Ouagadougou, il y a un nom, c'est bien Konaté Navigué. Et le ministre Agro qui ont discuté des questions pour côté FDCI pour les militaires. Donc,
le responsable des jeunes, de la jeunesse du FPI, M. Konaté Navigué. C'est un jeune aussi. C'est aussi un jeune. Très bien. Alors, j'aimerais juste qu'on continue, peut-être qu'on revienne au mois d'avril. Parce qu'il y a deux... Maître André? Je voudrais rassurer mon confrère, ce n'est pas une objection. Monsieur le Président, juste comme je voudrais d'abord m'excuser auprès de votre chambre, on aurait dû le faire avant. Nous souhaiterons avoir 2 minutes, pas plus, à la fin de cette session, pour nous adresser à votre chambre en dehors du témoin. Juste 2 minutes, ce ne sera pas long. In private session or in open? En audience publique ou à huis clos partiel, maître? En audience publique, ça ne gênerait pas, mais en dehors du témoin. Ok. Merci. D'accord, merci. Oui, monsieur McDonald. Avez-vous participé au mois d'avril à la démobilisation? De quelques groupes que ce soit. Effectivement, donc après le 12 avril, je n'ai pas la date précise, il y avait une opération de désarmement et le général Gueux m'en a parlé. Et avec le général Gueux, nous nous sommes rendus donc à Yopougon, en face du commissariat de Yopougon, pour une cérémonie de désarmement. Elle devait donc commencer à 9 heures, mais il faut dire que les combats venant à peine de prendre fin, les éléments qui étaient en armes, pour certains avaient peur et venaient au compte-gouttes. Mais on a pu récolter quelques armes. Et ce que moi j'ai reconnu sur place, il y avait Magui, le tocard, il y avait Eugène Dué, que j'ai vu, quelques éléments qui vraiment ont déposé des armes, ont déposé des munitions. Moi-même, je suis intervenu pour dire que la guerre est terminée et qu'il faut débarrasser le pays d'armes, donc il faut déposer les armes pour permettre à notre pays de reprendre le développement. Voilà, donc effectivement, j'ai assisté à cette cérémonie de désarmement. Alors, j'aimerais appeler l'élément de preuve vidéo CIV OTP 00470650. Il s'agit d'un autre vidéo, Madame le greffier, qu'on va vous demander de... Ça va être de la minute, donc du début... vers environ la minute 2:13 qui prend fin. Il y a une transcription également qui est disponible, dont j'ai une copie ici, si nécessaire. On va m'indiquer le tab de ce transcrit. Juste un instant, si vous voulez, pour que je puisse le... Je vais dire le RN, CIV, OTP, 00481654. Et c'est à l'onglet 302.
pour nos collègues de la transcription, traduction. Sinon, on en a une copie papier. Nous formons aujourd'hui les forces républicaines. Pacification du district d'Abidjan. L'appel du Premier ministre invitant les miliciens à déposer les armes a été entendu. Des miliciens pro-Gbagbo retranchés à Yopougon ont décidé de déposer les armes. Serge Ngongomé, Thierry Manglé à Guité. Le geste des miliciens de Yopougon a été salué par le général Philippe Mangou. Le chef d'état-major des armées a lancé une invitation à l'endroit des soldats et miliciens qui seraient encore dans la clandestinité. Le constat est clair et net, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, handicapés à vie, beaucoup de sang a coulé en Côte d'Ivoire, et nous disons, trop c'est trop, il est temps d'arrêter. Tous ceux qui sont encore réticents, qui tiennent les armes à la main, de leur dire de venir tout simplement déposer les armes, parce que comme le dit notre hymne national, le pays nous appelle, et le pays appelle tous ses enfants, sans exception. Pour ceux qui sont sortis, je pense que les moments d'angoisse, les moments de peur sont passés. Nous sommes, nous, FCDS, et avec les ex-Fafen, nous formons aujourd'hui les forces républicaines. Les miliciens pro-Gbagbo ont exprimé une inquiétude au cours de cette rencontre. Nous voulons interpeller la conscience de tout un chacun ici présent. Pour dire, il y a des gens qui ont pris les armes hier, qui se sont battus à Yopougon, à Via Découvert. Ils se disent, quand ils déposent aujourd'hui les armes, ils sont en danger. La réponse déjà donnée par le président de la République est reprise ici par le commandant Ouattara. Tout sauf ça, il n'y aura pas de représailles. Nous avons décidé d'aller à la paix, nous allons à la paix. Sauf ceux qui veulent être, se faire des caïds. Donc quand tu veux te faire un caïd, nous on te mate, c'est normal. Mais ceux qui n'ont pas décidé d'être un caïd, ben, nous ne sommes pas prêts à te mater. Donc nos frères sont prêts à venir. Nous les accueillons à bras ouverts et nous leur rassurons qu'il n'y aura pas de poursuites contre eux. Cette cérémonie de désarmement à Yopougon est le résultat de plusieurs rencontres entre Eugène Dué, représentant des miliciens, et le commandant Chérif Ousmane des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Avez-vous reconnu ces images, M. Mangou? Oui. Est-ce la cérémonie à laquelle vous faisiez référence? C'est bien ça. Connaissiez-vous, pour l'avoir déjà vu ou rencontré, peu importe, Guy Berti, qui a non. été
présenter? Non. Monsieur. Maître André. Et à monsieur le procureur la date donc de cette vidéo parce que nous ne l'avons pas. Elle nous est aussi inconnue, monsieur le président. Je vais, le témoin a mentionné certaines infos et je vais revenir, je peux lui demander de préciser. Monsieur le témoin. Monsieur Mangou, le président, mais posez-lui la question, Monsieur Mangou, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette vidéo a été filmée? Est-ce que vous vous souvenez de la date de cet événement, de ce que nous avons pu voir sur cette vidéo? Monsieur le président, la première semaine qui a suivi le 12. Parce que nous nous avons fait l'allégeance le 12, et je crois 3-4 jours après, nous nous sommes rendus sur le terrain. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y avait encore des combats à Yopougon à ce moment-là? Alors, il y avait quand même pas de combat, mais quelques tirs sporadiques. Surtout du côté de Lokodjuro, on entendait encore quelques tirs sporadiques. Très bien. Alors j'aimerais maintenant revenir sur le sujet du SECOS et leurs moyens organiques. Et je vais me référer à ce que vous avez dit précédemment dans votre témoignage. Donc, hier, 25 septembre, RT, page 20, ligne 8 à 13. En discutant des moyens organiques et l'armement donc du SECOS, et je cite, et au fil des missions, on s'est même aperçu que le SECOS a été doté de mitrailleuses lourdes 12-7, de mitrailleuses qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à 1200 mètres. Le SECOS a été doté de RPG. Le RPG, on s'en sert pour lancer les roquettes non guidées. Et il y avait même des grenades offensives et des grenades défensives. Êtes-vous capable de nous expliquer ou de nous situer à votre connaissance? Quand le SECOS aurait-il reçu ce type d'armement? Je ne pourrais pas vous dire avec précision quand le SECOS a reçu, mais ce que je peux vous dire, c'est que la proposition de la création du SECOS m'avait été confiée et le président m'a dit: c'est une unité de lutte contre le grand banditisme. Donc, fort de cette information, l'armement que nous avons mis dans le test que nous devions présenter au président, c'était des PA et à la rigueur des Kalachs, puisque c'était pour lutter contre le grand banditisme. Et quand le SECOS a été créé, c'était l'armée qui devait mettre à la disposition du SECOS
des éléments, puisque le SECOS était composé de gendarmes, de militaires et de policiers. Au départ, le SECOS travaillait conformément à sa mission reçue, faisait le maillage de la ville d'Abidjan, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, le SECOS ne jouait plus son rôle, le rôle qui était le sien, et on l'a vu progressivement dans la réglementation de la circulation à Bassam, on l'a vu sur l'autoroute, en piétant même souvent dans les domaines de la police et de la gendarmerie. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, on a vu que le SECOS avait des 12-7, avait des RPG et même avait des grenades. Vous-même voyez la section qui est intervenue, le BMO, c'est la brigade de maintien de l'ordre. Or là, ce n'est pas une mission du SECOS. Or ces armes dont dispose le SECOS, ce sont véritablement des armes de guerre. Quand vous prenez le RPG, c'est pour la destruction des engins blindés. On ne lutte pas contre le grand banditisme avec le RPG. Quand vous prenez la 12-7, la 12-7, c'est une mitrailleuse lourde qui peut effectuer des tirs jusqu'à une distance de 1200 mètres. Quand vous prenez les deux grenades offensives et défensives, il y a une différence à ce niveau. La grenade offensive, elle est constituée de poudre d'explosion. Quand vous la balancez à l'extérieur, l'effet qu'elle produit sur le personnel est moindre parce que vous avez des bras coupés, vous pouvez avoir une jambe coupée. Et cette grenade est généralement utilisée dans les assauts. Quand vous prenez la grenade défensive, elle est constituée de coques métalliques, ce qui fait qu'à la fragmentation, quand vous prenez une coque métallique dans le corps, c'est mortel. Donc cette grenade, elle est plus dangereuse que la grenade offensive. Et généralement, cette grenade est utilisée pour stopper la progression de l'ennemi. Donc, au vu de ces grenades, ça ne va pas, au vu de ces armements, ça ne va pas de pair avec la mission du SECOS. Monsieur Mangou, j'aimerais parler. Merci pour ces explications de grenades offensives, défensives. J'aimerais vous poser une question au niveau de grenades lacrymogènes. Oui. Est-ce qu'une selon vous, est-ce qu'une grenade lacrymogène peut être aussi mortelle? Et si oui, expliquez-nous dans quelles circonstances qu'elle peut devenir mortelle. Oui, la grenade lacrymogène, c'est le moyen conventionnel qu'on utilise pour le maintien de l'ordre. Mais quand vous la balancez, s'il y a des éléments qui reçoivent cette grenade, ne s'esquivent pas tant qu'on reste sur place, on peut suffoquer. Ça peut véritablement suffoquer. Voilà. Et une grenade lacrymogène projetée à l'aide d'un canon, j'appellerais, ou un fusil, pardon. Bien sûr, c'est comme tout objet qui est au contact du corps. Si vous prenez ça au moment où on vous le projette, c'est dangereux pour vous. Parce que l'idéal veut qu'on balance la grenade, qu'elle tombe, qu'elle émette la fumée toxique pour faire fuir les gens. Mais si c'est dirigé contre une personne, effectivement, ça peut blesser et ça fait mal. Donc, dans une opération de maintien d'une foule, comment doit-on projeter des grenades lacrymogènes? Bon, c'est une affaire de spécialiste. Je n'ai jamais utilisé parce que nous ne sommes pas habilités à faire le maintien de foule. Mais pour ce que je vois faire,
si vous voyez la foule qui est compacte, qui vient vers vous, autant la balancer à quelques mètres pour que ça émette cette fumée toxique, de manière à ce qu'ils prennent ça pour partir, pour se disperser. Très bien. Alors sur ce, je vais m'adresser à la chambre en anglais. While the document. Alors, certains de ces documents, messieurs, mesdames les juges, qui portent sur les armements du CECOS sont des documents qui ont déjà été versés au dossier. Je voudrais quand même attirer votre attention sur ces documents et tout principalement, il y en a un d'ailleurs que je voudrais citer parce qu'il y en a plusieurs, le CIVOTP 00737302. 5. You want it to be shown up? Le juge président, et vous voulez qu'on affiche ce document? Monsieur McDonald. Non, je voulais simplement rappeler à la Chambre que ce document a déjà été versé. Je ne vais pas le montrer maintenant, mais attirer votre attention sur ce document. Alors j'aimerais maintenant vous avez parlé de 12,7 mm. Alors j'aimerais appeler la pièce et qu'elle soit montrée aux témoins publics CIVOTP 0043 0226 et plus spécifiquement un document donc du 22 novembre 2010. Alors il s'agit, comme on peut tous le voir, d'une demande du général Guy Bipoint au lieutenant-colonel, commandant de 1er bataillon d'infanterie d'Aquedo. Donc, premièrement, avez-vous déjà vu ce document? Non, c'est la première fois que je le vois. Alors, pourriez-vous confirmer s'il y avait effectivement un chantier à Aquedo? Et pourquoi est-ce que le CECOS devrait aller à Aquedo pour utiliser une 12-7 à votre connaissance? Je suis moi-même surpris par une telle demande. Monsieur le Président. Maître André. Monsieur le Président, nous soulevons une objection. Le témoin dit n'avoir jamais vu ce document. On pourrait tout au plus s'arrêter sur le point de savoir s'il y a un champ de tir à Aquedo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à demander au témoin pourquoi est-ce que, selon lui, le CECOS avait besoin d'utiliser ce champ de tir, on demande aux témoins d'opiner. Nous soulevons une objection pour ce point. Je vais reformuler, Monsieur le Président. Please do so. En effet, faites ainsi, Monsieur McDonald. Je peux retirer le document, de toute façon, le témoin vient de le voir, là, mais y avait-il un champ de tir à Aquedo? Alors, quand moi j'y étais, il y avait un champ de tir. Mais on ne pouvait effectuer les tirs que jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, on a même fait souvent tirer à la mitrailleuse des engins, mais en remontant un peu plus loin.
Maintenant, avec la poussée de la ville d'Abidjan, le champ de tir de Dakwedo a disparu. Parce que les habitations ont pris la place. Et souvent, pour aller tirer, on allait à l'Omo Nord pour effectuer des tirs. À l'Omo Nord, dans la région de Toumoudi. Le juge président, juste pour préciser la date, parce que vous nous avez dit, quand moi j'y étais, il n'y avait pas de champ de tir, et puis vous nous dites par la suite, donc le champ de tir a disparu. Alors, quand vous nous dites quand j'y étais et puis plus tard, vous faites référence à quelle période en fait? Monsieur le Président. Quand j'étais au bataillon blindé, on utilisait le champ de tir. Mais devenu chef d'état-major des armées, il était difficile de tirer là parce qu'il y avait des habitations tout autour du champ de tir, qui, en fin de compte, a fini par fermer. Actuellement, si vous allez, il n'y a plus de champ de tir, il n'y a que des maisons d'habitation là-bas. Thank you, Mr. Prosecutor. Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur. Je vous poserai la question suivante. Non, j'y reviendrai. Je vais laisser le document de côté compte tenu de l'objection. Parlons maintenant des documents de... J'aimerais revenir, pardon, sur certains documents et plus spécifiquement la garde républicaine. Qu'en est-il des moyens de la garde républicaine? Les moyens organiques en termes d'armement. Donc, là, au niveau de la garde républicaine, ils avaient des PA. Pistolets mitrailleurs, des Uzi, ce sont des armes israéliennes, mais de petit calibre. Ils avaient des kalachs, ils avaient aussi des RPG, ils avaient les grenades. Au niveau des engins, ils avaient des engins blindés. Quel est le calibre, justement, d'un Uzi? Alors, c'est un armement de petit calibre. On peut effectuer des tirs jusqu'à 200 mètres. Excusez-moi, continuez. Je demande le calibre en millimètres. C'est de 9 mm en gros. Hein. 9 mm. Par rapport au reste des forces de défense et de sécurité, si on compare, comment était l'armement ou les quantités de l'armement de la garde républicaine? Et par rapport aux autres forces, la quantité doit être moindre, mais j'avoue que la garde républicaine a quand même... suffisamment de munitions par rapport aux autres corps. Mais je ne suis jamais entré dans la soute à munitions, mais je sais qu'ils en ont. Voilà. La soute à munitions de la garde républicaine. Où se trouvait cette soute? Alors, cette soute se trouve donc dans l'enceinte du palais. Dans l'enceinte du palais. Au côté nord-ouest du palais. À quel étage? Non, c'est une soute enterrée. Alors, Madame le greffier,
je vais présenter une vidéo qui est le CIV OTP 00481651. Toute la vidéo. Et également, il n'y a pas de transcrit. Et je vais vous demander de jouer toute la vidéo et après, quelques secondes avant la fin, on va revenir sur des images précises, ce que j'appellerais des « still images ». Voilà. Merci. Je vais vous demander de regarder. C'est le numéro 301 sur notre liste. It's marked confidential. The video is marked confidential. La greffière de nuance. La vidéo est confidentielle. It's public. It's already submitted on record. C'est la munition des 5,56. Voilà. Alors, je vais vous poser une première question, puis on va. Je demande à Madame le greffier de revenir sur le 4x4 qu'on voit à la toute fin, si on pouvait arrêter sur cette image. Premièrement, avez-vous déjà vu cette vidéo? Non, jamais. J'ai jamais vu cette vidéo. Ever seen this location? Le juge président, est-ce que vous avez déjà vu l'endroit que l'on voit dans cette vidéo? Déjà vu l'endroit. Est-ce que c'est bien la soute à laquelle vous faisiez référence? Non, ce n'est pas cette soute. J'ai été commandant en seconde de la garde républicaine. Je connais bien le sous-sol. Et ces munitions que vous voyez, les caissettes de munitions que vous voyez, prouve tout simplement que ce sont des munitions qui sont arrivées et stockées là. Voilà, parce que la soute elle-même, elle est au dehors.
est là au dehors. Donc, cela me convainc réellement que les munitions qui ont été commandées sont effectivement arrivées et elles ont été stockées dans ce sous-sol. Excuse me, but when you say now, I'm... Le juge président, quand vous me dites je suis convaincu maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par maintenant? Maintenant, c'est aujourd'hui, après avoir vu cette projection, ou maintenant il y a un petit temps? C'est effectivement arrivé. Parce que je savais que la munition était commandée, mais moi, je n'en ai jamais reçu. En voyant cette vidéo maintenant, je m'aperçois que les munitions sont vraiment arrivées. Thank you. Yep. Merci beaucoup. Poursuivez. Nous voudrions faire une objection sur toute cette ligne de questionnement concernant cette vidéo. Le témoin, dès le départ, a dit « Je n'ai jamais vu cette soute ». Et il vient de vous dire qu'il découvre cela ici. Donc, sur quoi lui pose-t-on des questions? Il vient de dire « Je n'ai jamais vu ». Well, I don't think that he... Le juge président, je pense qu'il a simplement dit qu'il n'avait jamais vu la vidéo. Il n'a jamais dit qu'il n'avait jamais vu le site. Donc, il y a la vidéo d'un côté, le site de l'autre. Et par rapport à la vidéo, je crois qu'il est tout à fait en mesure de pouvoir répondre, n'est-ce pas, M. Mango? Ah, je vois que vous voulez parler, M. Mango. Il y a une confusion dans l'esprit de Mme l'avocate. Parce que la soute à munitions, ce n'est pas celle-là. Là, c'est le sous-sol de la présidence. La soute à munitions, c'est une soute enterrée qui se trouve dehors, dans le jardin de la présidence. Et ça, c'est le sous-sol de la présidence, où sont stockées les caissettes. Justement, Monsieur le Président, on lui pose la question en employant le terme « soute ». C'est de ça qu'il est question. We are talking about what we saw. Le juge président, nous parlons de ce que l'on a vu. Vous n'avez jamais vu la vidéo, mais vous connaissez le lieu. Vous l'aviez déjà vu. Donc, continuez, monsieur le procureur, poursuivez. Image, monsieur Mangou. À la minute 2:49:24, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ces arbres, on les appelle le crapaud. On l'appelle le crapaud au contenu de la forme, mais c'est des bitubes. Des bitubes pour lutter contre. Des bitubes du DCA pour lutter contre l'avion. Donc, on effectue des tirs anti-aériens avec. Donc, sol-air. Sol-air. Et je vais maintenant demander à ce qu'on projette quelques secondes ou quelques fractions de secondes plus loin, où on va voir un 4x4. Stop. Parfait. Alors, il s'agit de la seconde, de la minute, pardon, 2:53:06, dont on vient de faire une capture d'écran. Quelle sorte de véhicule, s'il vous plaît, et d'armement? Alors, ça, c'est un Velera surmonté de canons de vin. Et ces armes, la garde républicaine n'en a pas. Ce sont les armes qui sont au niveau du BASA, bataillon d'artillerie solaire. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait là, à ce moment-là? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on revienne, M. Mangou, pour la prochaine demi-heure avant la pause déjeuner. Qu'on traite des différentes phases des opérations
durant la crise post-électorale. Et pour ce faire, j'aimerais faire, de manière générale, à votre témoignage d'hier, 25 septembre, RT, page 100, ligne 18 et suivante. Et même plus tôt ce matin, vous avez fait référence à des offensives. D'accord? Entre le 28 novembre 2011 et le 18 janvier, alors, pardon, 28 novembre 2010 au 18 janvier 2011 environ, vous êtes en quelle période? Est-ce que c'est une période, décrivez-nous la période au niveau opérationnel. Donc, le 28 novembre, ce sont les élections, deuxième tour des élections. Les résultats pour le candidat du RHDP ont été donnés donc le 22. Non, pardon. Le 2 décembre 2010 pour le candidat du LMP, les résultats ont été proclamés le 3 décembre 2010. Les deux candidats ont fait donc leur cérémonie le 4 décembre, cérémonie d'investiture le 4 décembre, et à partir de là, la situation a commencé à se dégrader. La Côte d'Ivoire vivait dans une situation quasi insurrectionnelle, avec des morts, avec des blessés. Nous avons donc eu une série de réunions. Le 20 décembre 2011, au ministère de la Défense, avec les deux ministres de la Défense, M. Alain Dogrou, le ministre de l'Intérieur, Émile Guillaume, et tous les généraux. Le point, c'était de voir ce qui se passait. Donc, à l'issue de cette réunion, la situation s'empirant, plus particulièrement au niveau d'Abobo. Nous avons eu une autre réunion le 30 décembre 2010 avec les mêmes personnalités. Là, nous avons analysé les menaces, vu l'attitude à adopter face à ces menaces et passé en revue les moyens dont nous disposions et les moyens dont nous avons besoin. Mais il faut dire que la situation a continué de s'empirer. C'est ainsi que le 5 janvier 2011, nous nous sommes retrouvés à la résidence du président Laurent Gbagbo aux environs de 21h30, où je lui ai rendu compte de la situation générale qui prévalait au niveau d'Abidjan, et plus particulièrement au niveau d'Abobo, avec bien sûr les problèmes que nous avions en ce qui concerne les moyens et autres.
Donc, à l'issue de cette réunion, c'est à l'issue de cette réunion qu'un décret de réquisition des forces nous a été remis. Donc, ce décret demandait donc aux forces d'intervenir dans tout Abidjan. Lorsque nous avons reçu ce décret, nous nous sommes retrouvés donc le 6 janvier 2011, qui devait être, je crois, un vendredi, à l'état-major pour voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour déployer les éléments sur le terrain. Et c'est à cette réunion que le directeur général de la police nous a dit que ce qui se passe à Abobo est de sa compétence et que c'est une opération de maintien de l'ordre. Nous lui avons dit « Ok, donc on va vous laisser faire ». Mais néanmoins, puisque nous étions requis, j'ai demandé au colonel Sakou, qui est le chef du CPCO, de me désigner des éléments qui allaient intervenir dans Abidjan. Le général Brindou, donc, a commencé son opération le 11 janvier. L'opération même était pilotée à partir de son poste opérationnel, qui est le PC Minos, PC qui se trouve à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Donc, il a commencé son opération du 11 janvier au 21 février. 11 janvier au 21 février. Le 11 janvier, dès qu'il a déployé ses éléments sur le terrain, dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier, nos policiers, qui étaient au rond-point d'Abobo, aux environs de minuit, 1h du matin, ont été encerclés, ont été tués. On a dénombré près de 6 morts avec des véhicules qui ont été détruits et calcinés. La police a néanmoins continué sa mission jusqu'au 21, comme je l'ai dit, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait toujours des morts à Abobo, mais qu'en plus, l'armement dont disposait le commando invisible était des armes de guerre, véritablement des armes de guerre auxquelles la police ne pouvait pas faire face. Donc, nous avons décidé, en tant que force armée, de prendre le relais de la police. Ainsi donc, nous sommes préparés le 22 avec toutes les unités qui ont été donc nous nous sommes préparés le 22. 25 février. Février, dites-vous? Février. Monsieur le Président. Donc nous nous sommes préparés le 22 janvier. Non, le 22 février, je crois. C'était du 11, la police a commencé du 11 au 21 février. C'est bien ça, Monsieur le Président. C'est le 22. Donc, nous sommes préparés le 22 et le 23 février, nous avons commencé notre offensive sur le PK-18 et à Indotré. Il y a deux éléments qui sont partis pour mener cette offensive. Je ne sais pas si je peux les donner. Donc, voici le dispositif, Monsieur le Président, qui a été mis en place dans tout Abidjan. Je vais commencer par Yopougon. À Yopougon, on avait au premier pont de Yopougon une section du 3e bataillon d'infanterie. À Sipores, une section de la police. À la Maka, deux engins Elan. Ce sont des engins sud-africains armés de mitrailleuses de 7,52. Capacité d'emport, 12 personnes, ça fait 24.
une section du 1er bataillon d'infanterie, une section du BCP, bataillon de commando parachutiste, une section du génie, deux mortiers de 60, un équipage du Secos sur engin avec une 12-7. L'unité qui était en réserve d'intervention dans cette zone, c'est un peloton de la gendarmerie du Toit Rouge de Yopougon. L'ensemble des éléments au niveau de Yopougon étaient placés sous la responsabilité du chef d'escadron Koukounion. Au niveau d'Adjamé Plateau, au premier pont de la Casse, on avait un peloton de la gendarmerie. À la cité Fermont, un peloton de la gendarmerie. Au GSPM, une section de la police. À Boribana, vers Atécoupé, à hauteur du siège de l'ONU ici. Une section du 1er bataillon de commandement et de soutien, BCS. Au niveau de la RAN, une section de la garde républicaine. L'ensemble de ces éléments placés sous la responsabilité du lieutenant-colonel Maudit de la garde républicaine. L'unité en réserve d'intervention, c'est l'unité, un peloton de la garde républicaine. Au niveau de Cocody, on avait au carrefour de la rivière à Troyes un peloton du 1er bataillon blindé, mais ce n'est pas les engins, ce sont les hommes. Au niveau du carrefour de la vie, on avait une section du 1er bataillon d'infanterie. À Petrossi, on avait une section mixte police-gendarmerie. Au jardin de la Riviera, sur la route, les élèves de l'école de gendarmerie. Au niveau de Saint-Jean, une section de la police. Au niveau de la RTI, on avait donc une section du 1er BCP, un peloton de la gendarmerie appuyé par un peloton blindé du 1er bataillon blindé et un bitube du Baza. Au niveau du Golfe, on avait donc un peloton blindé, un bitube du Baza, deux mortiers 60 et une 12-7 du Secos. Ce sont les mêmes éléments qui étaient au Golfe côté Imputo, constitution identique côté Marie-Thérèse ou Fouette-Boigny. Maintenant, au rond-point d'Abobo, là, on avait un élément de l'escadron blindé de gendarmerie, du GEB, un élément de la BAE sur RG12 et sur Canter, des éléments du Baza sur Picop, volume 22, deux mortiers 60, les éléments de l'escadron de gendarmerie au nombre du camp commando au nombre de 57, des éléments du CRS 1 au nombre de 17, CRS 2 au nombre de 18, et puis je vous dirai quand est-ce qu'on a fait venir le mortier de 120, c'est-à-dire dans la deuxième phase de l'opération. Donc voici, Monsieur le Président, dans tout Abidjan, les unités qui étaient en place.
seuls ont bougé dans la première et dans la deuxième phase les éléments qui étaient à la Maca et ceux qui étaient à Abobo. Abobo, j'oublie d'ajouter, à Coco Service, on avait une section. À l'université, on avait une section. Et à la pharmacie Saint-Xavier, on avait également une section. Donc, ceux qui ont bougé, c'est ceux qui étaient à la Maca, ceux qui étaient au rond-point de Abobo. Tout ce monde, tout ce personnel, tout ce matériel était donc placé sous la responsabilité directe du général Détô Létô Firmin, qui était le commandant des troupes, donc le grand patron de la ville d'Abidjan. Donc, le 23 janvier, février, pardon. Just. Le président, une question, monsieur. Quels sont les ordres qui ont été donnés à cette unité? Ok. Sorry. Ah, alors, excusez-moi. Donc, le 23 février, ça a été la première offensive. La mission donnée au général Détô, reconnaître l'axe Maca, kilomètre 18, prendre contact avec l'ennemi. Reconnaître l'axe rond-point Abobo, Ndotré, prendre contact avec l'ennemi. Je vais définir la mission de reconnaître parce que c'est un terme tactique. Qui a donné l'ordre de reconnaissance de cet axe et après vous pourrez continuer. Alors l'ordre de reconnaissance, vous savez que l'unité est requise, hein? Donc l'ordre de reconnaissance, c'est moi qui donne l'ordre de reconnaissance au général Détô. Allez-y, continuez. Donc Monsieur le Président, comme reconnaître c'est un thème tactique, je vais le définir afin que tous on soit au même niveau d'information. Reconnaître, thème tactique et reconnaître, c'est aller chercher des renseignements d'ordre tactique ou technique sur l'axe en engageant éventuellement le combat. Prendre contact, il s'agira donc pour lui de me définir la nature, le volume, et l'attitude de l'ennemi. La nature, c'est de me dire si c'est un fantassin, c'est-à-dire un élément qui combat à pied, si c'est un blindé, si c'est un artilleur, donc c'est à lui de me dire la nature de l'ennemi. Le volume, il lui appartient de me dire s'il a affaire à une section, Monsieur le Président, ça représente en gros 25 personnes ou 30 personnes, ou bien une compagnie. Une compagnie, ça fait 3 sections, plus la compagnie de commandement, ou bien un bataillon. Un bataillon, ça fait en gros 3 compagnies, plus la compagnie de commandement. Donc, c'est à lui de me dire ça. Donc, la nature, le volume et l'attitude. L'attitude, c'est est-ce que l'ennemi, il est en place? Est-ce qu'il bouge? Donc voici les renseignements que le général Détô, dans sa mission, devait donner à l'état-major. Au cours de l'exécution de cette mission, ça a été très difficile. Très difficile parce que nos éléments qui évoluaient sur l'axe Maca-Ndotré en venaient vraiment prudemment à cause de la forêt du Banco. Et c'est là qu'avant de partir, j'ai ordonné, Monsieur le Président, sur demande du général Détô, un tir
au mortier 60, qui était un tir de flambage et un tir d'harcèlement. Le mortier 60, monsieur le président, c'est une arme de l'infanterie, une arme qu'on retrouve au niveau de la section d'appui de la compagnie et qui fait l'appui de la section et même de la compagnie. Cette arme est facile et à transporter et facile à être utilisée parce que sa munition elle-même constitue la mise de feu et dès que vous la laissez glisser dans le tube, elle tombe sur un percuteur et elle part. La distance à laquelle cette munition arrive, c'est 100 mètres en tir direct et 1000 mètres en tir courbe. Le champ de tir du morceau du mortier 60, ça va de 40 degrés à 80 degrés. Quand vous mettez le bipied, parce qu'il y a une plaque de base, quand vous enterrez bien la plaque de base et que vous faites bouger le bipied, vous pouvez avoir un champ de 600 millièmes, soit 300 millièmes à gauche, 300 millièmes à droite. C'est vraiment une arme d'infanterie commandée par un caporal, vous voyez. Donc il y a 4 équipes seulement qui servent cette arme. Il y a le caporal, chef de pièce, il y a le tireur et il y a les 2 pourvoyeurs. Donc ils ont effectué un tir de flambage et un tir d'harcèlement. Alors le tir de flambage, quand vous avez travaillé avec une arme et que vous la mettez au magasin, pour éviter que l'arme soit rouillée, vous mettez la graisse pour mieux la conserver. Mais avant d'utiliser, on nettoie un peu, mais toujours est-il qu'il y a de la graisse. Donc on effectue un tir, et comme c'est chaud, ça fait fondre un peu l'huile, ça rend le tube un peu plus lisse. C'est ça qu'on appelle le tir de flambage. Le tir d'harcèlement, la forêt, elle est grande. Des éléments peuvent s'embusquer, tendre une embuscade à nos éléments. Donc, nous avons tiré pour voir s'il y a un élément. Et le tir d'harcèlement, c'est un tir qu'on effectue dans une zone où on a des doutes pour obliger l'ennemi à riposter au cas où il s'y trouve. Donc après le tir, il n'y a rien eu. Donc ceux-là ont commencé leur mouvement. Par contre, ceux qui étaient dans Bobo ont rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés. Nos hommes étaient pris à partie des hauteurs, par des gens souvent en civil qui leur tiraient dessus. Il leur était impossible de riposter. Donc, pour qui connaît Abobo, du rond-point d'Abobo jusqu'au PK-18, nous avons commencé la manœuvre à 9 heures, mais nous ne sommes arrivés au PK-18 de manière simultanée avec les autres qu'à 18h30 à la nuit tombée. Et arrivé vers le PK-18, il était impossible à nos hommes de répliquer parce que le commando invisible qui était en place avait pratiquement pris en otage la population. On tirait sur eux et les gens se fondaient dans la population. Le commando invisible agissait contrairement à la convention de Vienne sur le droit de la guerre, parce qu'ils étaient en tenue civile, donc il était difficile de distinguer le combattant de la population. Donc face à cette difficulté, il nous était impossible de riposter au tir ennemi. Quand Détho m'a fait ce compte-rendu, j'ai tout simplement, parce qu'on ne peut pas tirer et s'en prendre à la population, j'ai demandé donc aux éléments contenus de la nuit qui était tombée de replier
Donc ceux qui sont partis au PK 18 ont replié jusqu'au rond-point d'Abobo. Ceux qui sont partis à Indotré sont repartis à la Maka. Je l'ai fait ainsi parce que dans la manœuvre, normalement, quand vous avez atteint un point, vous restez là pour pouvoir reprendre la manœuvre le lendemain, parce que là, vous avez déjà gagné du terrain. Mais j'ai fait replier mes éléments à cause de cette expérience que nous avons eue de ce qui est arrivé à nos frères policiers. De nuit, ils ont été encerclés et on est venu, on les a tués. Donc, pour éviter que mes hommes soient encerclés et tués, je leur ai donné l'ordre de revenir sur leur position initiale. Donc, nous avons dû rendre compte au ministre de la Défense des difficultés rencontrées sur le terrain et j'ai fait un compte-rendu au président Laurent Gbagbo des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. C'est ainsi que nous avons été convoqués. Le 24 février, aux environs de 16h30, j'espère que je ne me trompe pas de date, mais ce n'est pas grave, c'est les faits. Aux environs de 16h30, à la présidence de la République, était présent à cette réunion le général chef d'état-major des armées, c'est-à-dire moi-même, le général Deto Leto, commandant les troupes, le général Aka Kodjo-Marc, le commandant des forces aériennes, le général Kassarate, commandant la gendarmerie nationale, le général Guébi Point, commandant le SECOS, le général Brendou, directeur général de la police nationale, le général Touvoli, chef d'état-major particulier du président national, de la République, le général Doboblé, commandant la garde républicaine, les deux ministres, le ministre de la Défense Alain Dogrou, de l'Intérieur, M. Émile Guirielou. Il y a des officiers. Le colonel-major Aouman était là. L'aide de camp du président Gbagbo, le commandant Doit, était là. Et nous avons fait, à l'aide d'une carte d'état-major que nous avons déployée à la présidence, j'ai donc rendu compte au président de la République des difficultés rencontrées au cours de la progression, entre autres celles que je viens de vous décrire tout à l'heure. À un moment donné, le président de la République s'est levé de son siège, il est venu vers la carte, je lui ai montré la position tenue par l'ennemi, la position des troupes amies, et le président a posé deux questions. La première question, est-ce que la population est encore dans la zone? Nous avons dit oui, que la population est encore en place. Il a fait une recommandation, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de morts. Et son doigt s'est posé sur l'axe Maka-Indotré. Il a dit, ça c'est quelle route? Et j'ai dit, c'est l'axe Maka-Indotré. La question de la du président, est-ce que l'axe est occupé? J'ai dit, non, l'axe n'est pas occupé. Les autres généraux ont dit, si l'axe est occupé, c'est de là, Monsieur le Président, qu'est venue la discussion entre les officiers et moi. Quand Guébi vous a dit ici que le chef d'état-major ne savait pas que l'ennemi se trouvait au kilomètre 18 et à Indotré, c'est une aberration qu'un chef d'état-major fasse un ordre d'opération et qu'il ne sache pas où se trouve l'ennemi. Une vraie aberration. Ce n'était pas ça. Donc, effectivement, et je maintiens ce que j'ai dit au président de la République,
l'axe n'était pas occupé. C'était le carrefour, puisque c'est par là qu'on part pour aller jusqu'au carrefour. Donc le président nous a dit, il nous a donné une mission. Il a dit, libérer l'axe Maka Abangourou. C'est le même axe qui part jusqu'à Abangourou. Parce que, avait-il dit, c'est un axe stratégique. Il faut permettre à la... Il faut permettre à la population du sud de remonter vers l'est et à la population de l'est de venir aussi à Abidjan. Mais qu'en plus, il faut permettre la circulation des produits d'Abidjan vers l'est, vice-versa. Now I stop both. Nous allons nous arrêter parce que nous allons faire la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30. Merci beaucoup. L'audience est levée.